Bonjour. Dans cette vidéo, donc, nous allons parler des notions de base qu'on doit connaître avant de passer de la programmation. Donc, c'est très important de connaître la partie matérielle de ce domaine avant de passer à la partie programmation directement. Donc, c'est pour cette raison que j'ai commencé à travers cette vidéo à vous expliquer les différents termes techniques ou bien aussi des matériaux. On va parler du châssis, de l'automate, contrôle GX, de l'alimentation, de la famille 1756 du contrôle GX, les différents modules, tout ça, les différents types des automates contrôle GX, pour donner une petite idée sur cet automate. Contrôle GX, comme vous remarquez, est classé comme un automate de contrôle de grande taille. Okay. Généralement utilisé dans les applications à l'échelle de l'usine. Donc ici on va le trouver, c'est-à-dire c'est un automate modulaire qu'on peut ajouter de plusieurs modules qui permet au programmeur d'exercer un contrôle total sur différents systèmes locaux et distants. Okay. Comme vous remarquez, le contrôle 6 appartient à la famille 1756. C'est quoi le 1756? C'est un préfixe qu'on va trouver dans chaque composant que fonctionne avec cet automate. C'est-à-dire ici, on parle du CPU, des modules d'entrée et sortie, de la châssis, des modules de communication, ainsi de suite. Donc, tout module qui va fonctionner avec cet automate, on va trouver avec un préfixe 1756. Par exemple, donc ici, lorsque je vais passer aux automates, à la balise, lorsque je vais passer au module de notre automate contrôle GX, par exemple, ici, on va par exemple les différents produits, ça, les différents, on va afficher ici les différents modules. Comme vous remarquez, les différents modules, ils ont un préfixe 1756. Ok? Donc ici, par exemple, ici, lorsqu'on parle maintenant, voilà le module, les différents modules qui ont un préfixe 1756. Okay, par exemple, ici, 1756 IBC, c'est un module d'entrée, ces entrées continues. Donc ici, vous avez 1756 IBC. Okay. Donc, on va remarquer tous les modules qui appartiennent à la même famille, qui on appelle ici, c'est 1756. On va revenir à la présentation. Pour le contrôle GX, on peut trouver trois familles. Okay. La première famille, on appelle 1756 L6. On trouve par exemple L6-61, L6-62, L6-63, L6-64, L6-65. Ce sont des automates un peu anciens. Ensuite, on a des références L7, par exemple L61 jusqu'à L65. Et enfin, la nouvelle gamme ici, c'est les automates contrôle GX, c'est L8. On trouve L81E jusqu'à L85E. C'est la nouvelle gamme des automates qui possède un port de Ethernet. Okay? Donc ici, lorsqu'on va travailler de contrôle GX, on doit trouver ces trois références, ou bien L6, ou bien L7, ou bien L8. Okay? Ici, on va faire une comparaison entre ces trois familles de contrôle GX. Donc ici, pour le L8 et L7 et L6, on va faire une petite étude comparative entre ces trois familles. Mais bon, bien sûr, ici on va trouver le L8, c'est le plus avantageux parce qu'il est le plus nouveau. Donc pour le module de stockage, c'est quoi le module de stockage? C'est la prise en charge de l'horloge, le stockage de la mémoire, de la mise hors tension. C'est un module qui permet une alimentation aux automates contrôle GX pour sauvegarder le programme dans la mémoire de stockage au cas où il existe une coupure de courant, ou bien lorsque l'automate est retiré d'un châssis ou d'alimentation, c'est-à-dire qui permet de sauvegarder le programme et aussi l'horloge au niveau automate hors tension. Okay.
Pour le L8 et L7, j'utilise la technologie de l'ESM. Ou pour le L6 le plus ancien, j'utilise la technologie de la pile pour sauvegarder les données. Pour le port de communication, on va trouver que le L8 et L7 utilisent le port USB. Mais bon, le L8 a l'avantage d'utiliser qu'il possède aussi un port Ethernet qui est intégré dans le CPU. Pour le L6, j'utilise la technologie de l'ancien, c'est la communication série. Pour le mémoire non volatile, c'est des postes qui contiennent le programme, utilise le carte SD. Pour le L8 et L7, j'utilise la même carte SD. Et pour le L6, j'utilise la carte Compact Flash. Pour le mémoire, devant ici, pour le suivant, le référence, c'est-à-dire que c'est pas le L, lorsqu'on va voir L8, L81 ou L82, c'est non pas le même mémoire. Mais bon, on peut atteindre maximum, suivant le référence bien sûr, 40 mégas pour le L8 et 32 pour le L7 et L6. Pour le nombre des entrées sorties, on peut atteindre pour les trois références 128 000 entrées tutorielles et 4 000 entrées sorties analogiques. Bien sûr, pour le port Ethernet, on possède seulement le port, on trouve seulement la référence L8 qui possède le port Ethernet, qui peut accéder comme BT jusqu'à 1 giga d'octets. Bien sûr, le L7 et L6 ne possèdent pas le port Ethernet intégré dans le CPU. Comme vous remarquez, L6 est une des solutions les plus anciennes et L8 est le plus performant par rapport à L7. Surtout au niveau de qu'il possède un port Ethernet par rapport au L7. Ici, on va parler un peu sur les automates Control Logix. Pour la famille, on va parler aussi de la famille qu'on trouve L8, L8, L8. Donc, on va parler de la famille L8. Comme vous remarquez, nous avons ici, 1756 L81E, on va atteindre L85E. Lorsqu'on trouve E, c'est-à-dire on parle ici des automates standard. Bien sûr, les automates Control Logix standard qui possède un port USB et aussi le port Ethernet. Les différences, c'est des références de 81 jusqu'à 85, c'est au niveau de la mémoire. Pour le 81, on trouve un compte mémoire intégré 3 mégas. Et pour le 85, on peut atteindre sur 40 mégas. Ok, nous avons dit dans notre présentation, on peut à travers le L8, on peut atteindre jusqu'à 40 mégas, bien sûr, suivant la référence. Et on peut l'atteindre avec la référence L85EE. Lorsqu'on trouve S, par exemple, L81ES, c'est quoi la différence entre L81E et L81ES? Ça, c'est un automate standard qu'on appelle Control Logix standard. Et ça, S, qu'est-ce que ça veut dire? S, c'est dire sécurité. Ok, on l'appelle, ces automates, on l'appelle lorsqu'on trouve S dans le référence. Ok, c'est un automate sécurité. On l'appelle Guard Logix. Guard Logix. Okay. C'est pour ça qu'on va trouver ici deux mémoires, une mémoire pour la programmation standard et une mémoire pour la programmation de sécurité, car ces automates ne sont pas seulement destinés pour la sécurité, mais bon, ils combinent le fonctionnement des automates standard et aussi sécurité. C'est pour ça qu'on trouve ici deux mémoires, une mémoire pour la programmation standard et une mémoire pour la programmation de sécurité. Et lorsqu'on trouve la référence SP, ok. C'est un partenaire de sécurité qu'on doit ajouter pour les automates Guard Logix. C'est pas pour le Control Logix, c'est Guard Logix qui permet d'augmenter le niveau de sécurité aussi toi. Donc on va parler après ça sur les différents. Ouais. Donc on va remarquer pour l'occurrence L8, on trouve que nous avons les Control Logix standard, c'est destiné pour la programmation standard. On trouve aussi lorsqu'on trouve la référence S, c'est-à-dire ce sont des automates Guard Logix, ce sont destinés des automates de sécurité. On peut atteindre jusqu'au niveau SIL 2 et pour augmenter le niveau de sécurité, on doit ajouter un module partenaire à notre automate Guard Logix. On peut pas utiliser L8 SP partenaire avec le Control Logix, c'est destiné pour le Guard Logix. Okay.
Ça, donc, on va marquer ça pour les références L8. Pour les références L7, donc, on trouve S71, jusqu'à S75. Ce sont des contrôles standard qui possèdent bien sûr le port USB seulement. On ne possède pas le port Ethernet, on trouve seulement dans le L8. Bien sûr, les différents tracés de référence au niveau de la taille de map, qu'on peut atteindre un maximum de 32 mégas à travers l'OpenS L75. Ici, on trouve, ici pour les automates, on trouve le XT, par exemple S73 XT, c'est quoi entre la différence entre 73 et 73 XT? Ce sont les mêmes automates, mais bon, la différence c'est que XT c'est l'environnement extrême. C'est-à-dire que ce sont des automates qui peuvent supporter des conditions extrêmes au niveau de température. C'est-à-dire pour le 73, on va parler ensuite de ça, on peut atteindre jusqu'à 0,60 degrés Celsius. Et avec XT, ça, il peut atteindre la même fonction que le 73, mais bon, il peut supporter des environnements extrêmes de température de moins 25 jusqu'à 70 degrés Celsius. Des Celsius. Bien sûr, on se retrouve le S ici. On se retrouve le S ici. C'est-à-dire, ce sont des automates de L7, câble logique, mais bon, c'est des automates de sécurité. Bien sûr, comme la référence est lui, ce sont des câbles logiques de sécurité. Et le L7SP, c'est le partenaire. Pour le câble logique. On se trouve aussi pour les références S7, nous avons des automates Armor Control Logix, ok, avec ERAM, ce sont des automates comme ce sont des automates Control Logix, mais bon, qui possèdent deux ports Ethernet. Donc, on va parler sur ces différents types. Donc, comme vous remarquez, on ne trouve pas un seul type de Control Logix. On trouve les Control Logix standard. Contrôle logix, câble logix, ce sont des automates de sécurité. On trouve aussi des automates pour l'environnement extrême et des automates qu'on appelle Armor. Donc, on va parler sur ces différents types. Donc, on va commencer par les automates standards de contrôle logix. Ce sont des automates à partir de la famille Logix 5000. C'est-à-dire, on va le programmer avec le Studio 5000, c'est-à-dire, ou bien avec Logix 5000. Utilise des entrées et sorties comme vous remarquez qui appartient à la famille 1756 ou aussi la châssis 1756. Et il possède aussi des différents modules de réseau, de contrôle net, contrôle d'entrée. Ce sont des ports de communication. Comme vous remarquez, c'est un exemple de module contrôle logix standard. Okay. Nous avons aussi des contrôles XT entre ces automates qu'on trouve avec la famille L7. Seulement on ne trouve pas pour la famille L8. Donc, les contrôles logix XT fonctionnent de la même manière que le contrôle logix traditionnel, c'est-à-dire on parle ici du contrôle logix L7 standard, mais avec une plage de température étendue et possède les mêmes fonctionnalités que le contrôle logix L7. C'est la même blague, mais bon, ici la différence est au niveau la plage de température que peut supporter cet automate. Donc ici, lorsqu'on parle de contrôle standard, il peut supporter la température de 0 jusqu'à 60 degrés Celsius. Mais bon, pour les automates contrôle XT, ils sont conçus pour supporter une température de moins 25 degrés Celsius jusqu'à 70 degrés Celsius. C'est-à-dire ils ont le même fonctionnement. La différence, c'est au niveau de la température qu'il peut supporter l'automate. Okay. Donc, lorsqu'on trouve le XT, c'est-à-dire c'est un automate contrôle logix, c'est pas standard, c'est-à-dire qui peut supporter des températures de moins 25 jusqu'à 70 degrés Celsius. Il a le même fonctionnement que l'automate L7. Okay. On trouve aussi des automates de sécurité. Nous avons comme remarqué qu'il n'existe pas des automates standard seulement. Il existe aussi des automates de sécurité qu'on l'appelle Guard Logix. Mais
Mais bon, pour le cadre logique, ce ne sont pas des automates de sécurité seulement. Ok, c'est un processeur contrôle logique standard. Ok, c'est le même que le contrôle logique standard. Mais bon, il est doté de fonctions. Il possède de plus une fonction de sécurité garantissant une commande de sécurité au niveau C3. Ok, mais bon, grâce à son architecture. Comment dire, grâce à son architecture du processeur M2, le système contrôle logique comprend deux processeurs. Ok, un processeur de sécurité principale, donc qui peut permettre d'atteindre jusqu'à un niveau de sécurité SIL2. Ok. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise le cadre logique, donc on peut atteindre le niveau de sécurité C2. Si on veut augmenter le niveau de sécurité, on doit ajouter un module, un processeur, un module de sécurité partenaire, ce qui permet d'atteindre le niveau de sécurité C3. Et bon, bien sûr, vous pouvez me dire c'est quoi le SIL 1, SIL 2, SIL 3. C'est un, comment dire, donc le SIL, c'est quoi le SIL? C'est un niveau de sécurité. Donc, qu'on appelle, je vais appeler Safety Integrity Level. Donc, qui permet de mesurer, c'est une mesure de sécurité fonctionnelle, désignant la capacité d'un produit à réduire surtout le risque de défaillance dangereuse. Okay? C'est-à-dire ici, c'est un niveau qui permet de mesurer combien on peut réduire le risque de défaillance dangereuse de notre système. Si le SIL 2 et le SIL 3 sont les niveaux les plus courants pour les machines, les applications de sécurité de procédés. C'est pour ça qu'on parle trop sur le SIL 2, SIL 3, SIL 3. Ce sont les niveaux les plus courants utilisés. Ok. Donc avec le cadre logique seulement, c'est plus le cadre logique seulement, on peut atteindre le niveau SIL 2. Si on peut atteindre le SIL 3, plus de sécurité, on doit ajouter un module qu'on appelle module sécurité partenaire. Donc on peut remarquer ici. Comme vous marquez ici, donc ici notre automate cadre logique, on le trouve dans le gauche. Et lorsqu'on va ajouter notre partenaire, on doit le mettre directement à droite de l'automate principal. Donc, comme vous remarquez ici, c'est notre automate cadre logique et ça, c'est le partenaire qu'on doit ajouter pour atteindre le C3, c'est en rouge. Ok? Ça c'est le partenaire de la famille L8 et ça c'est le partenaire de la famille LTF7. Ok, donc on va marquer l'automate 4 logix est composé d'un automate principal, celui-là c'est l'automate principal qui permet d'atteindre le SIL 2 et aussi d'un partenaire de sécurité qui permet d'atteindre le niveau SIL 3 qui fonctionne ensemble dans une architecture MIL2. Le tableau suivant donne les références des automates principaux et les partenaires associés à ces automates. Par exemple, lorsqu'on parle 1756 L61S, c'est-à-dire c'est automate de sécurité, c'est-à-dire ici lorsqu'on trouve S, on parle de cadre logique, c'est pas contrôle logique. Lorsqu'on trouve L61, c'est-à-dire ici on part de la famille cadre logique L6, donc on utilise comme partenaire 1756 LSP. Lorsqu'on parle de la famille L61S, L62S, L71S, L72S, L73S, c'est-à-dire on parle de la famille de ce cadre logique de la famille L7, on doit utiliser le partenaire pour atteindre le niveau SIL 3. Le partenaire L656 L7SP. C'est-à-dire, c'est L7SP, c'est un module partenaire destiné pour le cadre logique de la famille LC-L7.
Bien sûr, lorsqu'on parle de 1556 L73S XT, bien sûr, l'année, ici, on parle de la famille L7. S, c'est-à-dire que c'est un garde logique, c'est un automate de sécurité. XT, c'est-à-dire qui peut supporter l'environnement extrême, c'est-à-dire qu'il peut supporter de la température de moins 25 degrés Celsius à 70 degrés Celsius. Okay, bien sûr, on utilise comme module de partenaire L7SPXT. Okay, c'est un module partenaire de la famille L7, mais bon, il peut supporter le bornement extrême. Et pour la famille L8, donc ici on trouve le S qui a été ajouté, c'est-à-dire ici on parle de le GadLogix, on doit utiliser comme partenaire 1556 L8SP. Okay. C'est-à-dire lorsque j'ai un automate qui a une référence bien précise. Donc il a le partenaire spécifique, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser L8 pour les automates L7. Ok? Donc chaque partenaire est associé à un type spécifique, à une famille spécifique des automates GadLogix. Ok? Bien sûr, pour le partenaire, on doit le placer directement après le CPU, après le GadLogix, directement à droite. Puis on va mettre les différents modules. Pour les automates Control UX, ce sont des automates Control UX standard, okay. Mais bon, qui combinent, ce sont des automates Control UX on trouve avec la famille L7, qui combinent les automates L72 et L73, mais bon, avec deux modules, comme vous remarquez, qui possède deux modules de deux ports de communication Ethernet. Okay. C'est-à-dire qu'il y a de plus deux modules Ethernet qui sont intégrés dans ce CPU. Aussi de plus, la différence aussi, comme vous remarquez, comme si c'est un compact. Bien que les automates 1556, on trouve avec le référence EROM. Euro, S c'est-à-dire pour la sécurité, Euro, pour le 72 Euro, 73 Euro, donc là ce qu'on trouve Euro, c'est-à-dire c'est un Armor Control UX, on le connaît avec ce référence, bien sûr S c'est-à-dire Armor Control UX de sécurité, c'est pour ces ans pour la sécurité, bien sûr, comme vous remarquez, on trouve de la mémoire standard et mémoire de sécurité, car les automates de sécurité, on peut l'utiliser comme des automates standard et aussi une fonctionnalité de plus qui est une fonction de sécurité. Donc, pour le référence L72 EROM et L73 EROM, ce sont les mêmes fonctionnalités identiques que celles des automates standard 1756 L72 et L73. Mais bon, les modules de stockage d'énergie ESM qui permettent de garder le programme même au niveau hors tension de l'automate Armor ne peuvent être ni retirés ni remplacés. Okay? C'est-à-dire pour le 73 ou 72, on peut retirer les cartes mémoire ESM qui permettent de garder les mémoires et l'horloge de l'automate. On peut le remplacer, mais pour l'automate Armor Control UX, on ne peut pas le remplacer. Il est intégré dans l'automate. Donc maintenant, on va parler, après qu'on va parler sur les différents types des automates Control UX, suivant les références, on peut connaître les références. On va parler ici du châssis. Comme vous remarquez, le système Control UX est un système modulaire. C'est pour ce moment, on a besoin du châssis 1756, avec la référence 1756. C'est destiné, c'est-à-dire c'est une châssis destinée pour le Control UX. Nous avons besoin du châssis pour mettre ces modules. Ok. Donc ici, pour le châssis, on va trouver seulement pour le châssis conçu pour un montage uniquement horizontal, c'est-à-dire on ne peut pas trouver du châssis vertical, seulement horizontal.
Les châssis donc sont disponibles dans ces options. Les châssis standard, on va utiliser pour les automates standard. Et le châssis contrôle XT, c'est destiné pour les automates qui peut être qui pour les qui on va utiliser pour des environnements extrêmes. Ok. Aussi, on va trouver avec le châssis, on peut trouver avec la série B ou C. La différence, c'est que le châssis série C offre de plus un guide de logement amélioré, meilleure ventilation au niveau des modules. Les pattes de fixation sont plus robustes et tout simplement autour de les pattes de fixation, il possède aussi un réseau terre supplémentaire. C'est-à-dire le série C, c'est plus meilleur que le série B. Ok, mais bon, ils sont le même fonctionnement, c'est-à-dire ça c'est un support pour mettre les différents modules. Mais bon, ici pour le châssis, on va trouver avec le par exemple, lorsqu'on trouve maintenant 1756 A4, qu'est-ce que ça veut dire A4? C'est une référence d'un châssis. A4, ça veut dire 4 emplacements. Ok, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 4 emplacements où on va mettre les modules. Bien sûr, l'alimentation ne partient pas, c'est-à-dire on va le trouver à gauche qui est intégré au niveau du châssis. Ok, c'est-à-dire ici. A4, c'est-à-dire c'est un châssis avec 4 emplacements pour mettre les modules. On trouve aussi un Frodo A7, c'est-à-dire c'est un châssis avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 emplacements. A10, c'est-à-dire c'est un châssis avec 10 emplacements. On trouve aussi A13 et A17, c'est-à-dire c'est un châssis avec 13 emplacements et 17 emplacements. C'est-à-dire pour les versions, pour les versions du châssis, on trouve on sont disponibles avec 4 emplacements, 7 emplacements, 10 emplacements, 13 emplacements et 17 emplacements. C'est ça des emplacements qu'on peut trouver pour les châssis. Donc nous avons A4, A6, A10, A13, A17. Bien sûr, suivant votre besoin, vous allez besoin, c'est-à-dire le nombre de modules que vous allez choisir l'un des références. Mais bon, pour moi, c'est mieux d'utiliser le A17, ok, parce que le prix n'est pas, la différence de prix n'est pas très assez grand. Donc pour moi, je souhaitais avec le A17, préférez vous utiliser le A17. Vous avez 17 emplacements et vous utilisez ce que vous voulez, vous avez besoin. Et si vous allez ajouter un jour des modules, vous trouvez l'emplacement. Mais bon, ici le prix n'est pas très très grand, donc pour moi c'est une préférence. Vous allez utiliser A17, vous allez utiliser les modules, les emplacements que vous avez besoin. Donc ici je vais vous présenter une petite vidéo. Ici exemple de châssis qui comporte ici, vous remarquez qu'il existe des emplacements où on va mettre les différents modules. Emplacement 0, emplacement 100, c'est des emplacements. Emplacement 1, emplacement 2, 3, 4, c'est-à-dire. Et ici, ces différents modules, ces différents emplacements, ils communiquent entre eux. Comme vous remarquez ici, on peut atteindre ça sans tous les emplacements. Par exemple, ici, nous avons jusqu'à 12. Donc, comme vous remarquez, nous 0 jusqu'à 12. Donc c'est un châssis A13, c'est-à-dire avec 13 emplacements. Ok. Donc c'est un châssis A13 que vous remarquez, c'est-à-dire vous avez 13 emplacements pour vous mettre les différents modules. Slot 0, slot 1, jusqu'à slot 12. Et ces différents slots se communiquent entre eux et qu'ils partagent l'alimentation nécessaire pour les différents modules qui sont livrés par le module d'alimentation. Bien sûr, vous allez mettre le module, vous n'avez pas un ordre bien spécifique, mais bon, on doit respecter lorsque le même configuration matérielle, le même emplacement du module réel, on doit le mettre dans les configurations matérielles au niveau du logiciel. On doit respecter le même ordre réellement avec la configuration au niveau logiciel de LS Logix 5000. Ok, donc ça au niveau du châssis.
Qu'on peut marquer donc, les numéros d'emplacement sur le châssis seront étiquetés à partir du 0. Donc les emplacements sont à partir du 0. Les mêmes numéros seront utilisés dans le environnement RS Logix et Studio 5000 lors de la configuration des cartes placées de chaque emplacement, c'est-à-dire les mêmes emplacements réellement au niveau du module. Lorsqu'on va le configurer au niveau logiciel, on doit le mettre les mêmes ordre. Mais bon, ici pour le placement des modules, il n'existe pas une règle bien précise. Mais bon, de préférence, parmi les informaticiens, ils respectent les règles suivantes. On doit tout d'abord mettre le CPU, notre automate. Ensuite, on va mettre les cartes de communication, Ethernet, DeviceNet, Ethernet. Après que nous avons mis les cartes de communication, on va mettre les entrées tutoriel DC, les sorties tutoriel DC. Ensuite, on va mettre les entrées analogiques. Ensuite, on va mettre les sorties analogiques. Ensuite, on va mettre les entrées ou sorties tutoriel avec l'alimentation alternative AC. Ensuite, on va mettre avec les sorties relais. Ensuite, on va mettre des autres modules spécifiques, comme si par exemple les spécialisés, comme le module de comptage rapide ou d'autres modules. Ok. Donc ici, pour le, par exemple, lorsque nous avons travaillé avec le A13, que ça veut dire nous avons 13 emplacements, et nous avons utilisé seulement 4 modules, nous avons utilisé par exemple 4 modules. Donc on ne va pas les autres emplacements, on ne va pas les laisser vides. Donc il existe un module qu'on appelle module de remplissage. C'est un module qu'on va l'ajouter, on va l'ajouter dans les emplacements vides. Pour ne pas laisser le rack, le châssis avec des emplacements vides. Ok, on a un rôle seulement pour faire le remplissage d'emplacements qui ne sont pas utilisés. Donc on va le trouver avec le référence 1756N2 pour les contrôles UX standard et N2XT pour les contrôles UX XT qui utilisent le châssis XT, c'est-à-dire pour le environnement extrait. Ok. Donc N2 1752 N2 sont des modules qu'on doit le mettre dans les emplacements vides pour ne pas laisser le châssis vide. Donc exemple, ici nous avons un exemple d'un automate contrôle UX. C'est un exemple de contrôle UX. Vous voyez, c'est un automate modulaire. Et ici nous avons une rack qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est-à-dire une rack à 10, c'est-à-dire que des A10, c'est un qui contient 10 emplacements. Donc je vais vous montrer maintenant, notre CPU, notre automate 1756 L6 S61, qui appartient à la famille L6. Donc je vais vous montrer comment on peut ici ajouter et enlever des modules de rack. Comme vous remarquez, il y a un petit support, on doit cliquer sur les deux extrémités de ce module. Ok, pour qu'on puisse le retirer de notre châssis. Ok, donc je vais vous montrer comment on va à travers ce module, on va vous montrer comment vous allez retirer le CPU. Donc dans les deux extrémités, vous cliquez sur les deux extrémités, vous allez enlever le CPU, l'automate de la châssis. Comme vous remarquez, voici les caractéristiques du module. Ici c'est un automate à l'invalide bien sûr, qui appartient à 1756 L61, c'est-à-dire qui appartient à la famille L6. Avec une révision de firmware de 1.10. Ok. Bien sûr, car chaque automate d'un contrôle UX sera une firmware de révision pour indiquer quelle version on va utiliser au niveau de la programmation, au niveau LS Logix 5000. Vous remarquez ça, c'est l'emplacement 0 de notre rack avec A10, c'est-à-dire 10 emplacements. Ensuite, comme vous remarquez, après le CPU, nous avons mis l'ordre. Ok, nous avons notre CPU. Ensuite, c'est la carte de communication Ethernet. Ok, ensuite, on est en train de remettre le module. Ici, comme vous remarquez, il existe DC, c'est-à-dire l'ordre. Nous avons notre automate. Ensuite, on va mettre les modules d'entrée-sortie.
Alors, DC-DC, c'est pas le module de communication. Ensuite, on va mettre entrée DC, sortie DC, les entrées analogiques, les sorties analogiques, ainsi de suite. Donc, vous remarquez, c'est l'ordre qu'on utilise presque tous les automaticiens. Ils utilisent cet ordre pour mettre les modules. Mais bon, il n'existe pas une règle. Hein. C'est pas une règle, c'est pas une application. Chacun peut mettre les modules comme vous voulez. Mais bon, de préférence, on doit respecter cet ordre de mettre les emplacements, de mettre les modules. Ok. Par exemple, ça c'est le module DC, c'est le module d'entrée tutoriel avec normalement 60 DC. Donc ici, vous pouvez enlever, on va enlever le, vous avez ici un connecteur, ok. C'est-à-dire lorsqu'on va faire le câblage, on n'a pas besoin d'enlever tout le module. On va enlever seulement le connecteur, on va faire le câblage. Ensuite, on va retourner le connecteur dans le module. Donc, on n'a pas besoin d'enlever tout le module. Ok. Et bien sûr, si on a un petit problème au niveau des vis ou bien le connecteur, on peut le remplacer. On va pas remplacer tout le module, seulement le connecteur, on peut le remplacer. Donc ici, on n'a pas besoin d'enlever tout le module pour faire le câblage ou bien de le remplacer. On peut remplacer aussi le connecteur. C'est-à-dire qu'on peut le remplacer maintenant. Voici les différents modules. Ici, comme vous remarquez ici, ce sont des modules de remplissage. C'est-à-dire ici, nous avons utilisé seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements. Les quatre emplacements qui restent, on n'a pas l'utilisé, on n'a pas utilisé ces emplacements. Dans cette partie, on va parler sur le module d'alimentation du contrôle logique. Les modules d'alimentation du contrôle logique, donc ils sont utilisés pour le châssis du contrôle logique, c'est-à-dire apporté à la famille MT556. Il permet de fournir les alimentations nécessaires pour le fonctionnement du châssis. Qui sont avec 2 volts, 3 volts, 5 volts et 24 volts continu. Donc on trouve 3 types d'alimentation, alimentation standard, alimentation sur contrôle XT, c'est-à-dire pour utiliser dans l'environnement extrême, et alimentation ordonnance, c'est-à-dire on a 2 alimentations qui fonctionnent en parallèle. Ici, voici une petite vidéo qui va expliquer le fonctionnement, le module d'alimentation. Comme vous remarquez, il se trouve à gauche du module d'alimentation on va le mettre à l'extrémité du châssis, c'est-à-dire on ne peut pas le mettre dans un slot, c'est-à-dire à l'extrémité gauche du module d'alimentation. Ici, vous avez ce module d'exemple, c'est un module qui a besoin de 24 volts continu pour fonctionner. Et ici, c'est l'alimentation nécessaire qui va donner au châssis, c'est-à-dire 5,2 volts, 2,4 volts, 3,3 volts et 1,2 volts. Ce sont des alimentations qui vont être partagées dans le châssis et qui seront livrées par le module d'alimentation. Ici, nous avons un interrupteur qui permet de mettre en marche ou non notre module d'alimentation. Bien sûr, on le off. Et ici, nous avons l'alimentation d'entrée. Ici, pour notre cas, c'est le 24 volts continu. C'est pour ça plus ou moins le GND de notre alimentation. C'est-à-dire ici, c'est le 24 volts qu'on va donner à notre alimentation 24 volts, qui permet d'alimenter, donner les différences d'alimentation ici. Ici, c'est le voyant qui permet, c'est l'indicateur qui permet d'indiquer que notre alimentation est alimentée ou non. Alimentée ou non. Ok. Donc ici pour l'alimentation standard, donc comment on va connaître une alimentation qui appartient à MT556. P pour indiquer si c'est un module power supply, c'est-à-dire un module d'alimentation. Et ici nous avons A, qu'est-ce que ça veut dire A? C'est-à-dire alimentation alternative qui a besoin de l'alimentation pour fonctionner. C'est-à-dire c'est par exemple 120 ou 140 volts alternatifs. Lorsqu'on trouve B, c'est-à-dire qu'il a besoin de 24 volts continu pour fonctionner. Et si on trouve C, c'est 48 volts continu. Et si on se trouve H, c'est 125 volts continu. Ok, donc ici, c'est-à-dire P, c'est le module d'alimentation. Et l'autre lettre indique si c'est une alimentation continue ou alternative et quelles sont nécessaires pour alimenter notre CPU. Okay.
pour l'alimentation, contrôle GXX, c'est une alimentation qui est nécessaire qu'on va utiliser avec le châssis XT, c'est-à-dire avec les automates XT. C'est une alimentation qui prend en charge l'environnement soumis à des températures extrêmes, c'est-à-dire qui peut supporter la température au moins 25 degrés Celsius jusqu'à 70 degrés Celsius. Bien sûr, pour le préfixe, on va trouver le P, c'est-à-dire module d'alimentation, et 1556 car appartient à la famille ControlVix. Et XT, on va essayer, c'est-à-dire pour indiquer sur l'alimentation. Alimentation XT, XT, c'est pour alimentation qui supporte l'environnement des températures extrêmes. Bien sûr, le A et le B, A pour indiquer une alimentation alternative et B pour indiquer qu'il a besoin de 24 volts pour fonctionner. Et ici, nous avons ici, ce sont des références des alimentations qui travaillent en redondance. P, c'est-à-dire module d'alimentation, et A, c'est des outils d'alimentation, et R indique que c'est une alimentation redondante. Qu'est-ce que ça veut dire alimentation redondante? Ce sont deux alimentations qui vont être distantes du châssis, c'est-à-dire on va pas le trouver directement câblé à travers le châssis, ils vont être à distance. Et si nous avons deux alimentations qui est éloignées à distance de notre châssis et qui travaillent en parallèle, c'est-à-dire lorsque le module d'alimentation le premier module tombe en panne, le deuxième module d'alimentation prend relève et il permet de fournir l'alimentation nécessaire à ce châssis pour fonctionner correctement. Ok, donc il permet d'avoir une sécurité, plus de sécurité pour le fonctionnement de notre automate. Ici, on parle de l'alimentation en redondance. Merci pour votre attention. Mais bon, ici, avant de vous quitter. Donc ici nous avons présenté les différents matériels les différentes configurations de matériel au niveau ControlVix. Dans la prochaine vidéo on va parler sur les différents modules d'entrée-sortie analogique, tutoriel et d'alimentation, et c'est aussi comment on va faire le câblage. Et ensuite on va passer à la programmation RSLogix 5000 et on va attaquer les différentes techniques de la programmation, les temporisateurs, les compteurs, la traduction du graphset, les techniques de la programmation et tout ça après que nous avons terminé la partie matérielle du contrôle. Merci pour votre attention.